l'initiative a démarré au mois de juin. Donc l'idée est venue du TDC d'Enabel qui a soulevé la question de se dire tiens, pourquoi d'autres pays limitrophes à la Belgique ont des initiatives d'entreprises qui demandent à leur gouvernement de légiférer sur le droit de vigilance et la Belgique n'a pas encore fait cette démarche. Du coup, il y a eu un peu un appel aux entreprises de voir qui serait intéressé pour prendre ce projet en main. Et on s'est regroupé 14 organisations. On a finalement terminé par rédiger une lettre qui était signée par 60 entreprises et fédérations. Et donc l'idée était de pouvoir remettre cette lettre aux ministres fédéraux qui seraient intéressés par la démarche. Et donc on est invité par Anne Klaas des magasins JBC à le faire devant un de leurs magasins pour pouvoir faire cet événement de remise de lettres. Wel, wij vinden als JBC heel belangrijk om dit initiatief te ondertekenen, omdat het belangrijk is dat wij ook in België een wetgeving hebben, zodat eigenlijk alle bedrijven aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en alle bedrijven de regels kennen, maar zich daar ook aan moeten houden. Als we dat samen kunnen doen, ja, sowieso is er dan een eerlijke concurrentie, maar kunnen we ook samen sneller werken aan meer duurzaamheid en aan een juistere leefwereld voor de toekomst. Als één bedrijf, een Belgisch bedrijf ben je sowieso altijd klein, is dat soms moeilijker om dingen vast te pakken en alleen te realiseren. Maar met een hele groep samen gaan we dat veel beter kunnen aanpakken en weten hoe we dingen ook moeten realiseren. C'est pour concrétiser un engagement important du gouvernement en partenariat avec une série d'entreprises qui sont signataires, co-signataires d'un appel pour faire en sorte que l'on crée un cadre légal pour le devoir de diligence pour nos entreprises et faire en sorte que chacune et chacun puisse travailler avec un cadre connu pour respecter ce droit du travail, pour respecter ce droit environnemental. C'est vraiment important, d'abord pour les travailleuses et pour les travailleurs, pour l'environnement de manière générale, mais aussi pour une saine concurrence entre nos entreprises. Nous avons des entreprises en Belgique qui s'engagent pour le respect des droits humains et pour le respect des droits environnementaux. Et il ne faudrait pas qu'elles soient demain concurrencées de manière déloyale par des entreprises belges ou étrangères qui ne respecteraient pas ces engagements. Et donc la meilleure manière de faire respecter ces engagements, c'est de fixer un cadre légal, avec des impositions, avec des obligations. Et donc c'est une première étape aujourd'hui. Ik vind het initiatief van vandaag echt heel, heel belangrijk, omdat het eigenlijk draait waar we allemaal over dromen. Dat is een waardig inkomen, een goede omgeving om het te kunnen leven. En de werkgevers kunnen daar een belangrijke rol in spelen. En vandaag tonen 60 bedrijven eigenlijk ja, het voorbeeld voor anderen om te zeggen van kijk, het is belangrijk voor ons om een goed rendabele bedrijf te hebben, maar ook even belangrijk voor ons dat onze werknemers zich goed voelen, dat ze in een goede omgeving kunnen werken en dat er een goede afspraken over gemaakt worden. Maar dit is echt een belangrijke stap die gezet is geweest. Wij moeten niet de bedrijven overtuigen, de bedrijven komen aan ons vragen, aan de regering, help ons om een beter kader uit te werken voor de mensenrechten. En ik ben ook heel blij dat ik vandaag aanwezig kon zijn.